Bonjour tout le monde, bienvenue sur Dracolab, le laboratoire de Dracona. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo sur Doctrine, on va parler d'enregistrement de données. Parce que c'est bien beau d'avoir créé des tables et tout ça, maintenant, il va falloir les remplir. Donc on va voir simplement comment, à partir d'un objet, donc une instance de notre entité, on va pouvoir enregistrer la donnée en base de données, donc créer une ligne dans notre table. Voilà, donc pour ça, on va parler de l'Entity Manager Interface, qui est une interface qui va servir à des services de Doctrine. Pour enregistrer les données. Il va nous permettre d'autres choses cette Entity Manager Interface, donc on verra quelques méthodes à lui, dont les deux principales qui vont nous intéresser persist et flush. On verra aussi des méthodes remove, la méthode getRepository, des choses comme ça. On va en reparler de toute façon dans la suite des vidéos, euh, dont la vidéo suivante. On va parler de la récupération des données, où on parlera du coup des repositories et de ce genre de choses. Mais vous verrez que le Entity Manager Interface aura encore un rôle à jouer à ce moment-là. On verra également des services concrets qui implémentent ce Entity Manager Interface et éventuellement jeter un oeil à leurs méthodes. Voilà, on va voir un petit peu déjà les méthodes que nous fournit l'Entity Manager Interface pour voir un peu ce qui nous permet de faire de base. Vous allez voir qu'il n'y a vraiment que quelques méthodes qui nous sont vraiment utiles au quotidien. Il y en a d'autres qui servent dans des cas plus particuliers. Ensuite, on verra un exemple d'insertion de données qu'on va appeler des fixtures. Donc ces fameuses fixtures, c'est quoi C'est en fait des fausses données qui vont nous servir principalement pour notre environnement de développement, pour pendant qu'on travaille, avoir un jeu de données de base pour que le site puisse avoir un rendu, enfin voilà, que la base de données soit un minimum remplie pour pouvoir travailler dessus, sans qu'il y ait besoin de vraies données avec potentiellement des données personnelles ou des choses comme ça. On va avoir beaucoup de l'OREM Ipsum et ce genre de choses, et on verra quelques outils pour les fixtures pour rendre ça un peu plus euh, varié que juste l'OREM Ipsum partout. Déjà dans un premier temps, qu'est-ce que c'est cet Entity Manager Je vais arrêter de parler de l'interface, c'est juste ce qui va nous permettre de récupérer le service. En tout cas, on va récupérer un Entity Manager qui va donc nous permettre de gérer les entités. Donc les enregistrer en base, les supprimer, ce genre de choses. Et donc il permet principalement d'enregistrer des données ou d'en supprimer dans euh, la base de données. Donc en général, on va se baser sur une table précise, mais ça, ça va être l'entité qu'on va lui donner. Qui va nous permettre de savoir dans quelle table ça va. Et il va nous permettre d'accéder aux repositories. Voilà. On va voir différentes méthodes. On va aller jeter un œil à l'entity manager interface, voir ce qu'elle contient. L'interface entity manager interface, elle contient tout un ensemble de méthodes, soit directement, soit en étendant l'interface object manager, qui elle contient directement les éléments qui nous intéressent, comme le persist, le remove et le flush. Et également le get repository. Alors vous voyez que là, au niveau du Object Manager, on a déjà pas mal de choses qui nous permettent d'enregistrer, de supprimer et euh, de récupérer un repository. Je vais revenir après sur la méthode flush vous allez voir un peu comment ça marche. Donc, c'est Entity Manager. Si je regarde la liste de ces méthodes, il en a un bon paquet. Il nous permet de démarrer une transaction, de l'arrêter, de vider l'Object Manager, de commit une transaction, des choses comme ça. On a vraiment beaucoup de choses, de quoi créer une requête de choses comme ça. Nous, il y en a beaucoup dont on ne va pas se servir au quotidien. Pour ça, je vous montre qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être utiles dedans, mais dans les faits, on ne va pas en utiliser tant que ça. Voilà, donc c'est pour vous dire, l'entity manager interface, elle contient plein de méthodes, et repository, mais aussi persist, flush, remove, voilà, qui sont les quatre méthodes dont on va parler aujourd'hui. Et du coup, c'est une interface. Donc si on veut voir une version concrète, il y a quelque chose qu'on va avoir d'instancier, on peut regarder l'Entity Manager. Il y a un objet qui implémente cette Entity Manager Interface. Donc pourquoi on passe par l'entity manager interface et pas directement Entity Manager Simplement qu'on peut en avoir plusieurs d'objets qui implémentent Entity Manager Interface. Vous voyez qu'ici j'en ai trois théoriquement. en effet il y en a deux hein, qui, ont, qui peuvent vraiment servir. Pourquoi on utilise l'interface et pas directement un objet Tout simplement parce qu'on laisse à Symfony, via sa configuration et tout ça, le soin de choisir lequel va être réellement utilisé derrière. Nous, ce qui nous importe, c'est avoir accès aux méthodes fournies par l'interface. L'implémentation derrière nous importe relativement peu. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur l'injection de dépendance et, ce, et tout ça. C'est aussi euh, à ça que ça sert d'utiliser ces interfaces-là. Donc, on lui dit utilise un entity manager interface. Moi, je veux juste cet ensemble de méthodes. Après, quel que soit l'objet derrière qui me garantit que ces méthodes sont implémentées, peu m'importe. D'ailleurs, je dis qu'on va utiliser l'entity manager dans les faits. Si ça se trouve, on utilise l'entity manager decorator. Je n'ai jamais vraiment vérifié. En fait, peu m'importe. Je veux juste que ça implémente cette interface. L'interface, c'est vraiment un contrat pour le fonctionnement qu'on va passer avec Symfony. Voilà. Mais du coup, on va récupérer cette entity manager interface pour enregistrer des objets. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Là je vais reprendre ma route que j'avais créée pour euh, la page d'accueil du blog et on va regarder ce qui se passe. Si par exemple je veux enregistrer tous mes articles, comment je vais faire Alors dans un premier temps, ce que je fais c'est que je récupère, donc j'ai ma liste d'articles sous forme de tableau. Ce que je vais faire, c'est que je vais en créer des euh, je vais créer des entités à partir de ces articles. Là, c'est vraiment pour l'exemple. Vous voyez que je fais ça directement dans un contrôleur. En les faits, c'est pas comme ça qu'on va forcément vouloir enregistrer nos entités. C'est pour ça que je vais créer des fixtures après pour utiliser ce même principe, mais sauvegarder en base à part entière. Donc, ça va être utiliser une commande qui me remplit ma base avec des articles. Et après, ici, j'aurai plus qu'à vraiment les récupérer. Plutôt que de les créer à la volée et tout ça. Donc, comment je vais faire ça Comment je vais enregistrer mes articles ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir injecter l'entity manager interface. Donc, dans les contrôleurs, on peut soit le faire comme dans les autres services de Symfony, au niveau du constructeur. Voilà, donc je peux l'injecter au niveau du constructeur, ou je peux le mettre directement au niveau de mon action. Nous, on va préférer le mettre au niveau de l'action, au moins pour le moment. Donc, comme ça, j'ai récupéré mon entity manager, je peux m'en servir dans la méthode. Et du coup, si je veux enregistrer mon article en base, donc petite preuve en image, si je charge, ma page, là je charge ma page, je regarde ma base de données, ma table article est toujours vide. Ça, ça va, c'est ce qu'on attend. Maintenant, si j'utilise mon Entity Manager, qu'est-ce que je peux faire Je peux utiliser la méthode persiste pour dire à doctrine, je vais vouloir enregistrer mon article. Voilà, la méthode persiste, elle prend une entité, un objet, mais normalement, on doit lui filer une entité quand même, un minimum pour lui dire je veux enregistrer cet élément. Attention, le persiste, c'est comme un git add, ça n'enregistre pas. Pour le moment, on lui dit prépare-toi à enregistrer ça. Et plus tard, je peux lui dire appeler la méthode flush pour lui dire tout ce que tu as en attente de création, suppression, etc., et exécute les requêtes. Pourquoi on fait ça Pourquoi on ne fait pas un flush au fur et à mesure On pourrait tout aussi bien, déjà, dans un premier temps important ça va, euh, le but de faire des persists et puis ensuite de faire un flush plus tard pour enregistrer un maximum de données c'est pour permettre à Doctrine d'optimiser un peu les requêtes voilà. Donc par exemple pour la, là pour l'insert peut-être qu'il va faire qu'une seule requête d'insert avec plusieurs lignes directement en même temps euh, peu importe, hein, je dis ça, c'est un exemple, on pourra aller vérifier ce qu'il fait précisément juste après un autre élément, c'est aussi de pouvoir dire pour voir gérer par exemple les transactions de dire à notre entity manager euh, là on va démarrer une transaction par exemple on peut lui dire démarrer une transaction et euh, hop. et commit ici donc là ça veut dire qu'il va effectivement appliquer la transaction j'ai un doute si du coup on a besoin du flush ou pas je pense que non moi je le fais rarement les transactions comme vous pouvez le voir c'est pas le mécanisme que j'utilise le plus souvent on est rarement besoin mais ça peut être très pratique à maîtriser quand vous, euh, quand vous avez par exemple plein de données à insérer et que toutes les données doivent fonctionner en même temps. Si jamais il y a une ligne qui a un problème, il faut annuler tout le reste. Alors ça, la transaction est très pratique. Ça vous évite d'avoir à faire plein d'opérations de suppression et tout ça. La transaction vous assure de dire que tout fonctionne ou rien n'est ajouté en base. Là, pour le moment, on reste sur le persist et le flush c'est déjà le plus important. Donc là, on va voir ce que ça donne. Maintenant, si je charge ma page, je peux voir, je vais zoomer un petit peu, je peux voir dans le profiler, ici, qu'il y a 5 requêtes qui ont été exécutées. Je vais aller regarder ce qui se passe. Donc vous voyez qu'il me fait une transaction. Moi déjà, ça me fait plaisir. Il y a un système automatique de transaction pour dire que quand je fais mon flush, en fait, plus exactement, ce qu'il fait, c'est que tout ce qui est persiste, il va me le mettre dans une même transaction. Donc ça veut dire que si j'ai un article qui ne fonctionne pas, je vais avoir au moment du flush l'annulation de toutes les autres insertions. Comme ça, je ne vais pas avoir de données incohérentes, potentiellement, autre chose comme ça. Voilà. Donc vous voyez que là, le fait que les transactions soient automatiques, ça a certains avantages. Je n'ai même pas à y penser. C'est aussi pour ça que je me sers rarement explicitement des transactions, parce que j'utilise les persistes et les flushs pour grouper les éléments. Attention, ce n'est pas le cas dans toutes les versions de Symfony et de Doctrine. Euh, moi, la plupart de mes projets clients, par exemple, n'ont pas les transactions automatiques. Et du coup, si je veux faire une transaction, il faut que je le demande explicitement. Ou que je modifie la configuration de Doctrine. Hein, je peux aussi. Mais voilà. Vous voyez que là, j'ai mon insertion qui est faite au fur et à mesure. Tac-tac, j'ai une requête par insertion. Vous voyez que ce n'est pas vraiment plus optimisé que ça. J'ai une requête, enfin j'ai un commit qui est fait à la fin. Donc vous voyez que j'ai mon début de transaction, mes différents inserts et le commit. Où en fait ce qui se passe c'est qu'il tente d'exécuter les inserts et comme c'est dans une transaction, il attend le commit pour effectivement les mettre dans la base de données. Ça c'est un fonctionnement qu'on retrouve beaucoup en SQL, hein, c'est pas, pas spécifique à Doctrine. Mais voilà, donc vous voyez que j'ai mes requêtes qui sont faites comme ceci. Je peux aller vérifier dans ma table article, j'ai bien mes trois articles. Pas de catégorie, qui n'ont pas d'intro, mais peu importe, c'est vraiment pour insérer des objets et que j'ai ce mécanisme de persiste et de flush qui va me permettre de récupérer mes informations, enfin, d'enregistrer mes informations surtout. Maintenant que j'ai des données en base, ce que je pourrais vouloir faire, c'est récupérer les articles depuis la base de données. Donc, plus avoir tout ça là, je les ai insérés un coup, donc ça marche, c'est bon, je suis content, j'ai des données. Si je veux les récupérer, je vais pouvoir utiliser. J'ai deux choses différentes. Donc, ce que je vous ai mentionné déjà plusieurs fois, c'est que l'article repository va me permettre de lire dans la table d'articles. Donc, j'ai deux choix. Soit j'appelle mon article repository et j'injecte dans mon action, ce qui va très bien marcher. Vous allez voir que là, je peux faire article. Mon repository il a une méthode find qui va me permettre de récupérer la liste de tous les articles qui sont disponibles. Cette méthode, je peux la retrouver. Elle est de base dans tous les repositories. Qui sont générés en tout cas par Doctrine, si vous le faites vous-même, au bien étendre les bons services et tout ça pour que ça fonctionne. On y reviendra quand on va parler de la récupération des données, c'est-à-dire à la prochaine vidéo. Et vous voyez que là, j'ai une méthode findAll qui est définie. Il m'assure qu'il y a une méthode findAll. Si jamais je recherche la liste des méthodes, je la retrouve. Elle est définie dans le object repository donc un des parents de mon service. Voilà, elle est garantie par une interface Object repository qui me dit que j'ai une méthode FindAll, une méthode Find, etc. Donc pourquoi il y a ce commentaire dans mon article Repository C'est juste pour la complétion de votre IDE, avoir le type des éléments qui sont récupérés. FindAll me récupère un tableau d'articles, FanBy aussi un tableau d'articles, FanOneBy un article ou nul, et Find un article ou nul. Je reviendrai sur ces quatre méthodes dans la prochaine vidéo, plus en détail. Mais voilà, je les mentionne juste, pour Vous dire que normalement, maintenant, on peut récupérer facilement nos euh, objets depuis la base de données. Voilà, là j'ai ma liste des articles, j'ai plus d'articles en dur, et vous voyez que j'ai bien quatre requêtes qui sont faites. Si je vais jeter un œil à mes requêtes, j'ai euh, une requête pour récupérer la liste de tous les articles et ensuite pour récupérer les informations dans Article Tag, pour récupérer les tags associés à chacun de mes articles. Il se trouve qu'ils n'en ont pas. Et vous voyez que Symfony, au fur et à mesure qu'on en a besoin, va aller chercher les sous-objets. Donc ça, on, en reviendra, on reviendra dessus aussi dans la récupération des éléments. On va pouvoir condenser ça en une seule requête. De là, on fait quatre requêtes, on veut notre liste d'articles, avec ces tags, potentiellement des images, des choses comme ça. Autant que ce soit tout fourni dès le départ, qu'on n'aille pas chercher tous les sous-éléments au fur et à mesure. Imaginez si on a 200 tags sur un article et 80 images sur un autre, ça va faire beaucoup de requêtes pour potentiellement pas grand-chose, sachant qu'on sait qu'on veut tous ces éléments. Voilà. Du coup, on y reviendra dans la prochaine vidéo, là encore. Et donc, vous voyez que là, on récupère nos articles depuis la base de données. Et ça, déjà, c'est bien. Donc voilà, donc là, je peux récupérer à partir du article repository. Et si jamais je veux récupérer plusieurs repositories, je vous le donne tout de suite, c'est quand même assez pratique, je peux aller chercher mon entity manager interface et appeler la méthode getRepository dessus. Et après avoir mon article repository Le entity manager, il a accès aux différents repositories et du coup il peut aller me chercher le article repository. Vous voyez qu'il ne me dit pas va me chercher le article repository il me dit va chercher le repository qui correspond à un article. Comment il sait ça sur un entité article, on a ici l'attribut pour nous dire quel est le repository qui correspond. Et du coup, il va chercher là-bas il va instancier le bon service, etc. Symfony se débrouille. Voilà. Donc, on a plusieurs moyens. Celui-là, il est vraiment utile si vous avez plusieurs repositories à appeler. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt directement récupérer le article repository. C'est quand même beaucoup plus pratique. Hop. Ouais, puis ça a beaucoup plus de sens. Donc encore une fois, je peux l'injecter soit dans l'action, soit je me dis je vais en avoir besoin aussi dans ma méthode show, et dans ce cas-là, je peux le mettre dans le constructeur de mon service, donc de mon contrôleur, et je peux aller le chercher directement ici. Avec la gphpStorm Storm qui m'incite à mettre le mot-clé read-only. Je me permets de l'ajouter, ça sert pas forcément à grand chose, juste pour dire qu'on ne va pas modifier les propriétés du article repository. Voilà. Donc vous voyez que là j'ai récupéré mon article repository. Ici, je pourrais, on verra dans la prochaine vidéo, que je pourrais récupérer un article par le champ slug. Donc, si par exemple, maintenant, je veux supprimer des éléments, Donc, par exemple, je veux parcourir ma liste d'articles et euh, dire je veux supprimer le premier article. Et finalement, le tout premier article, je veux le supprimer pour une raison X ou Y. Là, c'est un cas un peu absurde, on est d'accord. Mais si jamais je veux supprimer un article, je peux appeler mon Entity Manager Interface et appeler sa méthode remove. Pour lui dire, là, je vais vouloir que tu supprimes un article. Donc là, il prépare la requête delete, il la met dans sa file d'attente et il attend un flush. Donc là, pour le moment, si je fais juste ça, mon premier article, il ne va pas être supprimé. On va vérifier que je ne dis pas de bêtises. J'ai toujours mes trois articles. Pas de requête qui a été exécutée là-dessus. Je vérifie dans ma table, la première ligne n'a pas été supprimée. Notez ici que je mets le key égale 0 parce que ma liste d'articles commence à 0. Je vais faire juste un dump. Ça, on va pouvoir vérifier les deux en même temps. Et donc là, je vais faire mon flush. Donc je regarde ma liste d'articles avant suppression. Je peux la regarder. Pas suppression. Et faire mon flush. Donc là, je vous laisse parier un peu sur ce qui va se passer. Normalement, vous en avez une bonne idée. Je recharge ma liste d'articles. La liste elle-même n'a pas changé pour le moment. Maintenant, si je regarde mes dumps, c'est normal qu'elle n'ait pas changé. Parce que là, mon premier article, celui qui a l'index 0, là, l'indexation, elle est automatique dans le tableau. Il n'y a pas par clé, par défaut. Euh, la clé, pardon, n'est pas l'identifiant de mon article. c'est quelque chose que je me disais au départ, mais en fait, non. C'est juste un tableau standard avec les différents euh, éléments rangés euh, automatiquement. J'ai mon premier article, j'ai demandé sa suppression. Si je regarde, après ici, il a toujours un identifiant, il y a toujours tout correspond encore donc vous voyez que ma collection n'est pas modifiée à la volée quand je fais un remove même si jamais je fais le, je fais le flush avant le deuxième dup voilà bon, j'ai un article qui a sauté parce que j'ai rechargé la page et si jamais je re regarde mon premier article il se retrouve sans identifiant alors qu'avant il en avait un donc vous voyez que là on a un comportement où euh, doctrine nous dit si l'objet est en base ou non avec son identifiant s'il si est nul c'est qu'il n'est pas en base de données. On a cette information, ça peut toujours servir. C'est relativement transparent, c'est ça l'avantage. Et vous voyez que la donnée est bien supprimée, contre mon tableau d'article ici n'est pas modifié plus que ça. Ça modifie le contenu de mon article mais pas le, la, le tableau article, je l'ai récupéré ici. Et il ne correspond plus forcément à la base de données. Mais peu importe dans mon cas. Là c'était vraiment pour tester une suppression pour vous montrer que le remove, c'est comme le persiste, il faut un flush à la fin. Alors maintenant, c'est bien beau d'enregistrer des choses depuis le contrôleur. Maintenant, si on veut faire ça propre et avoir des, un jeu de choses données de base, on va voir un petit peu l'exemple des fixtures. Donc ça va nous permettre de créer un ou des objets qui vont être utilisés par le service de Doctrine Fixtures pour entrer des faux données dans nos tables. Donc le but c'est vraiment avoir un jeu de données pour remplir toutes nos tables autant que possible. Donc c'est ce qu'on va faire rapidement. On va voir déjà comment créer une première fixtures, et ensuite créer des fixtures dépendantes les unes des autres. Donc par exemple, je vais créer un objet pour entrer des articles, un autre pour créer les tags, comment, comment passer de l'un à l'autre, ce genre de choses. Alors on va regarder ça relativement rapidement. Le but c'est de vous montrer l'outil. Et après on va charger les fixtures avec la commande dédiée. Alors déjà on va installer ça. Donc, nous on utilise Symfony Flex, donc on va pouvoir utiliser la commande require. Donc, je vais appeler la commande require pour appeler ORM Fixtures. Donc quand j'ai installé ce paquet, par contre, vous remarquerez qu'il ne m'a pas créé de fichier de configuration. Donc moi, ça m'étonne toujours un petit peu. Si vous regardez la documentation, l'une des seules options qui est disponible, c'est pour ranger les fixtures ailleurs. Voilà, nous, on va les garder dans le dossier de base. Donc dans SRC, j'ai un dossier Data Fixtures avec un fichier app fixtures. Qui va me permettre d'appeler l'entity manager. Donc là, il appelle directement l'object manager. C'est une autre interface qui est du coup la parente entity manager interface, voilà, qui fournit un peu moins de méthodes. J'ai un fichier de fixtures. Le principe, je crée des éléments, je les persiste et je les flush. Toujours la même chose. Alors moi, je vais créer directement un article fixtures. J'aime bien avoir un fichier de fixtures par type d'objet, par entité que j'ai dans ma base. Donc ce que je vais faire c'est déjà je vais en créer un, on va vérifier que ça fonctionne. Vous allez voir que je vais bêtement reprendre ce que j'avais fait dans l'article contrôleur et insérer mes données. Donc là j'ai repris mon tableau d'articles, tel qu'il était précédemment. Je vais y ajouter une intro ou des choses comme ça. Enfin, vous voyez que je vais m'enrichir un peu les données. Je ne vais pas en mettre à chaque fois. Par exemple, je vais dire les deux premiers vont avoir une intro, mais pas le dernier. Je vais mettre une intro. Très bidon. Et le troisième, je ne vais pas lui mettre d'intro, ou alors je vais la mettre complètement vide, je vais mettre nul. Ça, je vais pas à réfléchir trop. Ça me va bien aussi. Et là, je me construis mon jeu de choses données. Je peux faire comme ça, créer des objets de base directement. Moi, j'aime bien avoir un tableau à convertir en, en entité. Comme ça, c'est un truc que je peux facilement réduire. Et après, me créer mes articles. Voilà, donc là, j'instancie mes différents articles. Au fur et à mesure, je vais appeler le manager et à la fin j'ai le manager flush qui est déjà là et donc normalement si je fais ça je devrais avoir des articles dans ma base donc on va vérifier l'état de la base actuelle pour le moment j'ai un seul article parce que j'ai supprimé les deux premiers et tout ça normalement si je charge mes fixtures avec la commande dédiée je devrais avoir trois articles à nouveau donc si je lance ma commande la première chose c'est il me dit attention la base de données blog va être purgée donc elle va être complètement vidée moi, c'est ce que je veux, je veux vider toutes mes données, au moins dans un premier temps, et en créer des nouvelles. Et il me dit qu'il vide les, la base de données, et il me charge mon article Fixtures. Si je regarde ma table article, elle contient mes trois articles. Au moins qu'il n'y a pas d'intro, les trois n'ont pas de catégorie, y a pas de, 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 enfin, les dates de création sont posées comme ça. Et maintenant, il y a cette notion de vidage de la table. Si je veux qu'il ne me vide pas, je peux utiliser l'option enfin, de la commande Append. Pour le dire, ajoute des données. Et là, le problème, c'est, on va arriver sur des notions de validation. Là, mon un super article va faire doublon. Donc, du coup, je ne vais pas pouvoir, avec les contraintes que je me suis mis, garder exactement les mêmes données et les ajouter. Et théoriquement, si jamais j'avais des choses qui étaient aléatoires à chaque exécution, je pourrais avoir, je pourrais ajouter encore plus de données. Appliquer par exemple une migration 6, 7, 8 fois, pour avoir plein 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 de données, ça pourrait marcher, mais il faudrait un bon aléatoire. Donc il y a un début de validation, là vous voyez que c'est quand même une erreur SQL. Donc on va avoir des soucis à droite à gauche, mais du coup je pourrais appeler un service de validation pour vérifier est-ce que mon entité est actuellement valide avant de l'enregistrer. C'est quelque chose que je vais vous inviter à faire dès que possible. Mais du coup, nous on en reparlera quand on va parler des formulaires. Parce que c'est en général là où on enregistre des données spécifiquement. Et du coup, on a besoin de valider qu'elles soient correctes. Surtout si ça vient des utilisateurs, toujours vérifier ce qu'ils envoient. Voilà. Mais du coup, vous voyez qu'il y a quand même une petite notion de validation derrière. J'ai mes contraintes d'unicité. J'ai des contraintes sur mes différents champs qui peuvent être nuls ou non, des choses comme ça. Et du coup, ça, je ne l'ai pas géré au niveau de mes fixtures. J'ai juste envoyé les données telles qu'elles. Maintenant du coup ça fait que je ne peux pas utiliser l'option Append parce que j'envoie deux fois le même titre d'article. Autre petite astuce également si vous ne voulez pas que la commande vous pose des questions, ça marche pour toutes les commandes avec Bin Console à peu près, vous pouvez l'envoyer en mode non interactif. Ça veut dire qu'il ne va pas vous poser de questions, il va juste exécuter. Donc du coup là normalement j'ai toujours trois articles. Je que les identifiants changent à chaque fois. C'est normal. juste qu'en fait, quand il vide la base de données, il fait un delete toutes les entrées de toutes les tables. Donc c'est plutôt logique que les identifiants soient incrémentés au fur et à mesure. C'est pas forcément dramatique. Voilà, même normalement ça n'a pas d'impact particulier à part juste avoir des identifiants qui sont pas les plus jolis du monde. Donc maintenant c'est cool, j'ai des articles, mais si par exemple je vais ajouter des catégories et des tags à mes articles, je vais faire ça en deux étapes. Je vais juste faire les catégories. Par exemple, si je crée mon catégorie fixtures comme ça, je me crée 10 catégories. Qui vont s'appeler catégorie 0, 1, 2, 3, 4. Allez, je vais mettre de 1 à 10. Comme ça, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avec la description qui va s'appeler description 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, même principe. Par contre, maintenant, si je veux m'en servir dans mes articles, si jamais ici je voudrais faire un set catégorie, comment je fais Ma méthode set catégories... Elle attend un objet de type catégorie, ou nul. Mais bon, donc ce qui va nous intéresser, c'est un objet de type catégorie. Si je veux lui passer une catégorie, comment faire Et Idéalement, ce que je voudrais, c'est depuis mon article fixtures, pouvoir récupérer mes euh, catégories. Donc pour ça, je l'enquiète un peu sur la vidéo d'après, je vais faire appel aux catégories repository, pour aller récupérer toutes mes catégories. Et là-dedans, je pourrais aller en chercher une au hasard. Vous voyez que je continue à me baser sur la méthode findall, un peu d'injection, ce genre de choses. Mais du coup, ça veut dire que là, j'ai ma liste de catégories, je pourrais aller en chercher une. Voilà. Donc là, je récupère une catégorie aléatoire dans ma liste, peu importe, et je l'associe. Donc ici, ça veut dire que je vais récupérer un objet de type catégorie que je vais définir là-dedans. Je pourrais dire, je veux par exemple de temps en temps ne pas avoir de catégorie, ce genre de choses. Je peux m'amuser un petit peu. Et vous voyez que déjà là, théoriquement, ce que je vais essayer d'avoir, c'est récupérer ma liste de catégories. Vous allez voir que ça ne va pas très bien se passer. Maintenant, si je recharge mes fixtures, j'ai un problème sur mon entérant. Il me dit que mon max, donc le deuxième argument, devrait être supérieur ou égal à euh, au premier argument. Et là, il se trouve que j'ai moins 1. Pourquoi Parce qu'en fait, je ne récupère pas de catégories. On va essayer de vérifier ça. Donc, vous voyez que j'ai un tableau vide. Je fais un DD ici. C'est un peu embêtant. Mais en fait, ça s'explique très bien. Parce que regardez ce qu'il fait ici. Il purge la base de données et ensuite il charge article fixtures. Parce qu'en fait, on a un petit souci d'ordre de chargement. Article, là, il fait par ordre alphabétique, bêtement, par défaut. Et le problème, c'est qu'il charge article fixtures avant catégorie fixtures. On pourrait renommer le fichier, etc. On va juste pas faire ça. Et moi ce que je vais faire, c'est simplement que je vais lui dire je veux. Que mes articles soient chargés après les catégories. Pour ça, on a une interface, dépendant de fixtures interface, qui contient une méthode getDependencies, qui va nous permettre de lui dire de quoi j'ai besoin avant de charger cette fixture. Voilà, comme je veux avoir plusieurs classes, je vais me mettre tout ça à la ligne. Hop. Voilà. Donc là, je lui dis, j'ai besoin des catégories avant de pouvoir charger mes articles. Donc attention, c'est bien important d'implémenter dépendant de fixtures interface et d'avoir la méthode getDependencies Et de bien lui dire les fixtures, le fichier de fixtures que vous voulez avant. C'est pas la, c'est pas l'entité, c'est pas le repository, y a rien. Vous voyez qu'il le fait pas tout seul, même si j'appelle le catégorie repository. Il ne devine pas grand chose. Il y a très peu de magie en fait dans les fixtures. Juste on lui dit, va me chercher. J'ai besoin d'autres fixtures. Et du coup, on lui dit lesquels. Ce que ça veut dire, c'est qu'après, il va se débrouiller tout seul pour mettre l'ordre nécessaire. Donc là, il va me chercher catégorie fixtures, puis article fixtures. Tout simplement. petit en fait, défini il l'ordre en fonction de ce qu'il y a dans les dépendances des différents paquets. Et là, magie aux magie, dans ma table article, j'ai des catégories sur mes différents articles. Je vérifier ma table catégorie. Contient mes dix catégories comme annoncé. Donc vous voyez que ça a l'air de pas mal marcher. Maintenant, j'ai des choses qui ne sont pas très jolies et tout ça, mais déjà, on a un premier jeu de fixtures. Je peux faire pareil pour les tags. Aller en chercher un nombre aléatoire, etc. Après, c'est la construction de, mon... de mes données qui va être le plus compliqué. Rajouter de l'aléatoire euh... J'ai arrivé à gérer les différents cas que je voudrais avoir pour, pouvoir mettre, pour avoir tous mes tests. Par exemple, des articles avec intro, d'autres sans, sans intro, des articles qui sont créés dans le futur, dans le passé, loin dans le passé, etc. Euh, en avoir beaucoup, ce genre de choses. Ce qui est un peu pénible, avec un tableau comme ça, d'écrire plein d'articles, au, au bout d'un moment, ça finit comme j'ai fait pour les catégories, avec des 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Si on veut enrichir nos fixtures avec différentes données, on va pouvoir utiliser des librairies qui vont nous simplifier ce côté aléatoire. Par exemple, vous avez la librairie Faker, que je vais, dont je vais vous faire un petit exemple juste après, qui permet d'avoir des fausses données. Les deux autres se basent sur cette librairie, d'ailleurs. Et du coup, on va pouvoir dire, je veux un texte qui ressemble à un texte de livre, euh, avec une longueur aléatoire entre telle quantité de texte et telle quantité de texte. Je veux des paragraphes, je veux des... Alors, on peut lui demander plein de choses. Qui vont être assez pratiques. Si on jette un petit coup d'œil, cette librairie est une librairie PHP qui va nous permettre de, par exemple, récupérer un nom. Donc, comme Vince Sporer. Un faux email. Quelque chose qui ressemble à un vrai email. En tout cas, qui ressemble à des données cohérentes. Vous voyez que si jamais je fais du texte, je vais avoir un texte aléatoire de type lorem ipsum. En fait, c'est du lorem ipsum, mais il prend juste un, un bout dedans. Voilà, vous en avez plein des méthodes qui sont disponibles, vous pouvez même ajouter des modifiers, vous pouvez dire, je veux quelque chose d'unique, là par exemple, on lui dit, on dit à Faker, là, prochain truc, ça va devoir être unique, je vais te demander un nombre aléatoire. Donc ça veut dire que là, dans toute ma boucle, il va faire que des nombres aléatoires. Pas enfin, des nombres, des chiffres d'ailleurs. Digit, c'est vraiment le chiffre. Donc de 0 à 9. Et du coup, on va avoir aussi des chiffres non nuls, donc on va avoir des... Voilà, on a différents outils qui Vont nous permettre de euh, récupérer des données bidons, vraiment pour le coup très bidons, et on va pouvoir les faire dans notre langue. Par exemple, si on veut des noms français, qu'on peut avoir Luce du Coulon, Auguste Dupont, Roger Le Voisin. Voilà, on peut avoir des données localisées. Ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi avoir des éléments à partir de... des éléments américains ou anglais, voilà, de pouvoir avoir des spécificités locales. Si, par exemple, on va chercher dans la catégorie French, je retrouve, vous voyez qu'il y a French de Belgique, de Suisse, de France. Il n'y a pas de Canada, je suis un peu, un peu déçu, mais vous, avez, euh, voilà. vous voyez que vous avez différentes variantes qui vont se baser surtout sur des éléments spécifiques nationaux. Par exemple, les noms des départements, les numéros des départements, les, euh, les régions, les morceaux d'adresse en plus, c'est que des spécificités locales. Donc vraiment lié pas seulement à la langue mais aussi au lieu. Donc par exemple le, un numéro de sirène ou de sirette, ce sont des éléments qui sont typiquement français, donc qui sont en tout cas avec des formatages très français. Il y a plein de choses différentes, choses comme ça, qui peuvent vous donner des éléments vraiment spécifiques à où vous êtes. J'insiste un petit peu, mais c'est assez rigolo de jouer avec. Et vous avez plein de formateurs. Donc ce qu'ils appellent les formateurs, c'est des éléments qu'on peut récupérer. Un chiffre, euh, un nombre aléatoire pouvez lui donner une valeur maximum ou non, euh, un nombre flottant aléatoire, des choses comme ça. Vous en avez plein. Vous pouvez aussi récupérer des, un élément aléatoire dans une liste. Donc j'ai un tableau, un itérateur, quelque chose comme ça, une énumération aussi. Ça c'est pas mal. Vous allez pouvoir récupérer un élément spécifique dedans. Vous voyez que ce random element, il peut être assez pratique, surtout si vous ajoutez l'élément unique par dessus. Par exemple, si je veux un article dans chaque catégorie, je peux dire bah, je vais mettre ça unique. Et comme ça, je suis tranquille. Je sais que chacun de mes articles va être rangé dans une catégorie différente. Ça peut planter au bout d'un moment si j'ai plus d'articles que de catégories, par exemple. Mais bon. Voilà. C'est pour dire vous avez pas mal de choses qui peuvent être utilisées pour récupérer des éléments aléatoires. Bon, jetons un petit coup d'œil à ce que j'ai fait pour les tags et les catégories. Puis après, on regardera les articles. Vous voyez que là, j'ai appelé Faker. Donc là, en fait, j'appelle la classe de générateur de Faker. J'ai su, suivi la doc. Je l'instancie dans mon constructeur de mon tag fixtures pour lui dire, crée-moi quelque chose en français, parce que du coup, moi, je vais faire des textes en français, donc tant qu'à faire, autant me préparer en français. Et je vais remplir les titres de mes tags avec du texte entre 20 et 60 caractères en français. Si jamais je regarde ce que ça donne dans ma table, j'ai déjà exécuté mon... Euh... En fixtures load, j'ai du texte, donc lorem ipsum par défaut. Vous voyez que j'ai mis en fr, mais quand j'appelle la méthode texte, ça reste du lorem ipsum. Voilà. Si je regarde ma table catégorie, j'ai fait la même chose pour, le, pour les titres, et par contre la description, vous voyez que j'ai des textes un peu plus euh, cohérents, plus en français. En fait, je crois que c'est des textes tout de Madame Bovary. Petit doute, il peut-être d'autres choses, mais en tout cas, voilà, on a des textes en français qui sont des textes littéraires. Et du coup, si je regarde mon euh, catégorie fixtures. Donc ici, j'ai toujours l'appel à texte, mais ici, j'ai fait un appel à real text between between entre 60 et 250 caractères. Donc, vous voyez que là, mes catégories, j'en crée 10 comme ça aléatoire. Je peux en créer un nombre aléatoire si jamais ça me chante. Un peu la flemme. Les tags, pareil, j'en crée 20. Un peu la flemme d'en créer plus. Pour les articles. J'ai bien utilisé dépendant de fixtures interface pour d'abord charger les catégories, les tags. Je les charge avec les repositories. Vous voyez que depuis le manager, j'ai la méthode getRepository, donc pas besoin de faire de l'injection forcément. J'ai déjà le manager. Et je vais chercher les repositories qui correspondent, le findAll. Je vais chercher de manière aléatoire, etc. etc. Je vais m'assurer d'avoir un texte qui est unique pour le titre de l'article. J'en crée 150. Il y a du boulot, donc je vais chercher une catégorie au PIF dans mon tableau de catégorie. Entre temps, j'ai découvert la méthode EUREAND que je ne connaissais absolument pas, mais qui est bien pratique. Permet de récupérer un index au hasard dans le tableau. Pas pratique. Donc je fais un, un faux texte et vous voyez ici j'ai mis un optional pour l'intro. je prends un, un vrai texte, mais je donne un poids à l'optionnel à 25%. Donc 0,25. Du coup, ça veut dire que euh, c'est jamais donc là ça veut dire que pour seulement 25% de mes articles je devrais avoir une, une intro si je regarde vous voyez que je n'ai pas beaucoup d'intro dans ma table mais j'ai du vrai texte donc je suis content après pour mon contenu aussi j'ai du vrai texte j'ai aussi mis des dates aléatoires des choses comme ça donc je vous inviterai à regarder la pull request pour regarder comment euh, j'ai fait tout ça donc je récupère entre 1 et 5 Tag, je les ajoute à mon article avec la méthode add tag qui se charge de l'ajouter en plus dans la collection de tags de mon article et je le redis cette méthode est très pratique là avec le make entity c'est le plus simple donc j'ai ma méthode add qui m'ajoute mes tags et du coup je vais avoir entre 1 et 5 tags sur chacun de mes articles pareil je peux vérifier ça par exemple mon article 14 il est associé à 4 tags 15 à 1 j'en ai 2 j'en ai 3 j'en ai 2 nouveaux voilà donc, c'est quand même assez efficace. Avec un petit peu d'aléatoire, je vais tomber sur quelque chose qui correspond un peu plus à la réalité. Je vais être parfaitement raccord. Je pourrais mettre entre 0 et 5. Pour ne pas avoir de taxe sur des articles. C'est Du principe que j'allais forcément en avoir. Et vous voyez, comme ça, grâce à Faker, je peux avoir différents, euh, différents éléments qui vont venir être. Mis dans mes fixtures automatiquement qui vont présenter de l'aléatoire. Voilà, ça me permet de créer des fixtures assez propres. Maintenant, je vous ai aussi mentionné Alice et Foundry qui vont vous permettre d'aller un peu plus loin, plus simplement. Donc, par exemple, Alice, le principe c'est que vous allez créer des fichiers de configuration de fixtures qui vont vous permettre de créer un certain nombre d'éléments, de récupérer un nom aléatoire, des choses comme ça. Vous allez avoir plein d'éléments qui vont vous permettre de simplifier la, la chose et de euh, récupérer plein de données juste avec des fichiers de config. Voilà, du coup, c'est quelque chose que je vais vous conseiller d'utiliser également euh, parce que c'est encore plus court à écrire. Il n'y a, a pas à faire des, de l'algo en fait. Il juste vous définissez c'est votre fichier de config, tout est écrit dedans et c'est euh, Alice qui se charge d'exécuter. Le contenu de euh, votre fichier yaml et foundry qui est un équivalent qui va vous permettre de générer des factories qui vont vous permettre de construire des fausses données etc. foundry est hyper complet je m'en suis pas encore servi j'ai commencé à apprendre un petit peu euh, comment il fonctionne mais il permet d'aller très très loin avec des données comme ça que ce soit pour les tests pour l'environnement de développement pour euh, Plein, plein, plein de cas vachement complexes qu'on peut gérer encore plus facilement avec lui qu'avec Alice. Voilà, donc ça, je vous laisserai essayer. N'hésitez pas à me faire des retours sur ces outils en commentaire si vous vous en servez. Ça servira aussi aux autres. Donc euh, voilà, ça pourrait être intéressant de voir ce que ça donne euh, de votre côté. Moi, j'utilise beaucoup Faker tout seul, mais je compte passer à Foundry. En plus, il doit y avoir également d'autres outils. Du même style qui existe que je connais pas forcément donc n'hésitez pas aussi à les mentionner en commentaire comme ça euh, pareil pour partager un peu avec tout le monde pour avoir des outils efficaces et voilà tout le monde c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez bien appris comment on enregistre les données que ça vous a intéressé également comment on récupère des données et qu'on crée des fixtures donc ces fixtures nous serviront tout du long du projet moi ça va me permettre d'enrichir au fur et à mesure le blog est d'ajouter de, euh, des entités, d'avoir un jeu de test à la volée, de ne pas avoir à toucher à la base de données plus que ça, etc. Et vous voyez que tout est basé sur ce persist et ce flush de l'entity manager. On va aussi beaucoup se baser sur cet entity manager pour récupérer nos repositories. Donc ça va être assez utile. Dans la prochaine vidéo, on va voir justement comment manipuler les repositories, faire des requêtes plus complexes et optimiser un peu des requêtes de récupération qui actuellement sont un petit peu lourdes. On verra également comment les données sont récupérées par doctrine et surtout ce que j'ai pas montré tout à l'heure, pourquoi il récupère les données au, à, au goutte à goutte. Donc par exemple, je récupère un article, il va aller chercher les tags au fur et à mesure que je les appelle et du coup faire des requêtes pour chaque tag. C'est un peu lourd, on va voir comment éviter ça et pourquoi il le fait. Vous verrez qu'il y a de bonnes raisons. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et codez bien Salut